Bon, encore une journée à Guangzhou terminée. Vous voyez, hop, expo. Franchement, c'est une ville de fou, hein. C'est impressionnant, je vous avoue, c'est waouh, c'est une fourmilière, c'est ça va trop vite. C'est une ville, ça va trop vite, c'est exceptionnel. Donc j'ai trouvé quelques pépites, j'ai commandé des échantillons. J'ai commandé des échantillons. Vous voyez là, ils vendent tous des babioles à droite à gauche, c'est tout le monde vend une babiole. Et bon, on va voir demain ce que ça va donner. Donc voilà, c'est marrant, je suis lessivé. Ah ouais, la foire, ça vous lessive comme un marathon. Donc, c'est un plaisir, hein, mais c'est sportif. Hein. T'as les sacs à dos, t'as les catalogues quand tu les prends, parce que des fois, c'est mieux d'avoir les catalogues. Faut marcher, c'est tellement immense. T'arrêtes pas de marcher, c'est de la folie, mais c'est du plaisir. Pour ceux qui s'intéressent, bah peut-être la prochaine expédition, on va emmener des gens avec nous. Moi, je suis avec quelqu'un ici, un spécialiste de Guangzhou. Il habite là depuis 15 ans. Lui, c'est un mec qui connaît tout, l'import, les douanes, les fournisseurs à Shenzhen, les producteurs. Donc, à la foire, ce n'est pas les meilleurs prix, mais ça fait des contacts. Et après, il faut les travailler un peu au corps. OK ? Donc, c'est un petit travail de longue haleine. Il faut créer de la confiance avec les fournisseurs. Et après, les portes, elles s'ouvrent en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, à bientôt, ciao.